Bienvenue dans le tout premier match de cette nouvelle édition du tournoi. On retrouve aujourd'hui le doux parfum de la coupe, cette saveur incomparable, des matchs aller-retour et du suspense incroyable qui l'accompagne. Tout le monde est impatient de débuter, y compris les arbitres qu'on a croisés tout à l'heure au moment où ils sont partis s'échauffer. C'est également le cas des joueurs, évidemment. Certains ont même fait de cette coupe leur objectif principal de la saison. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. Et voici l'hymne national de la France. L'arbitre donne le coup d'envoi. River Plate contre la France. Joli. Mbappé. Tchouaméni qui est récompensé de son pressing. Oui, ça peut être dangereux. C'est joué long, attention. C'était pas mal du tout dans la construction, ça aura juste manqué un peu de précision. Faut que ça va partir vite. Le bon ballon dans l'espace. Ah non, ils ne se sont pas compris. Petite question rapide. Qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Alors j'avoue que je ne choisis pas souvent un gardien, mais là je dirais Mike Maignan. Clairement, c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste en Europe, à mon avis. Il n'est pas du genre à monter pour jouer les libéraux, c'est vrai. Mais sur sa ligne, il est redoutable. Et parfois, un arrêt vaut autant qu'un but, n'est-ce pas? C'est pas faux, il joue un rôle décisif dans cette équipe. Ça joue long vers l'aile. Et bon contact, c'est récupéré. Sur la gauche. Il est passé. Le coup franc pour l'équipe de France. Oh, attention! Neymar. Il y a peut-être un coup à jouer. La bonne passe. Oh, la belle contre-attaque. Mbappé. Bien servi. Attention, la frappe. Ouais, il frappe encore. River Plate qui récupère ce ballon. Danger repoussé pour le moment. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est intercepté, quelle bonne lecture. Cette attaque n'a pas pu se développer. La passe dans la profondeur. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. C'est bien intercepté. Camavinga. Messi maintenant. Bon, le score est toujours nul et vierge. Dans la profondeur, bien vu.
Et le gardien s'en saisit, tranquille. Avec Dembélé. Non, ça manque d'application. Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Il cherche son coéquipier, Vinicius Junior. Hernandez. Rabiot. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Romero qui change tout. C'est joué long, c'est dangereux. Le ballon piqué sur le côté. Mbappé. C'est joué dans l'espace. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Ouais, c'est bien battu. Ballon récupéré. Voilà, un coup franc intéressant. Carton jaune, oui, c'est logique. Il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Il l'a vu. Il a bien jailli. Ce sera une remise en jeu. C'est joué dans la profondeur. Et la touche maintenant. Avec Dembélé. Bien joué, il fallait jaillir. Mbappé. Faute, c'est indiscutable. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Il va falloir qu'il se calme un peu. Il a déjà été averti. On va assister à un changement. C'est sans doute plus sage de le sortir maintenant. Il a déjà été averti. Cambio en el River Plate. Numéro 17. Numéro 5. Entran. Numéro 25. Numéro 19. Luis Suárez. Le bon dribble. Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien. Kamavinga qui récupère ce ballon. Il décide d'allonger le jeu. Neymar. Bien, la profondeur. C'est centré dans... Oh, le coup de tête. Et il manque le geste décisif. River Plate pousse pour marquer. Il y avait du monde dans la surface. On est passé tout près, là. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Hernandez. Voici Giroud. Mbappé. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Égalité entre les deux équipes. 0-0 à la pause. Que los voluntarios de cada sección se presenten inmediatamente en la sala de personal. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant, mais on se retrouve tout de suite. Aquí están los futbolistas.
Et le coup d'envoi de cette seconde période. River Plate, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Mbappé. Il y a de l'espace, il faut en profiter. Bien récupéré sur ce duel. De Paul. Hakimi. Kamavinga maintenant. Et maintenant Alaba. Nicolas Tagliafico. Vinicius Junior. Neymar. Suarez. Bien repoussé par le gardien. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Peut-être une occasion pour Messi. Vinicius Junior. Il peut récupérer, deuxième chance. Oh non, sa tête n'est pas cadrée. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient bien été mieux, c'est dommage. Pavard. Dembélé. La touche à venir. Kamavinga. Hakimi. Vinicius Junior. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Le ballon dans la profondeur. L'interception au bon moment. Il cherchait la profondeur, mais c'est intercepté. Oui, il a fallu dire que ça manquait de précision aussi. Ça passera sur le côté. Et ça peut partir en contre. Dans la profondeur. Il y va. Jusqu'au bout. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Mais c'était bien vu, ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Voilà un joueur qui va ajouter un peu de vitesse au jeu. Et avec ses courses, il peut faire des ravages. Upamecano. Les minutes s'égrènent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. Neymar. Aïe, il peut s'en vouloir. Voilà une bonne occasion de contre. Il joue sur sa gauche. Il est passé. Hakimi. Il allonge le jeu. Peut-être une occasion pour Messi. De Paul. Ça joue long. Vinicius Junior. Ouf, un peu d'air. Bien vu, c'est intercepté. Oui, il a bien anticipé. Allez, oui, ça part bien. Vinicius Junior. C'est bien. Oh, la frappe! L'arrêt splendide! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire. Cambio. Ce sera le premier corner du match. Numéro 22. Entran. Numéro 10. C'est joué court à deux. Numéro 4.
Messi. Hakimi. Et il y va. Il n'a pas hésité à tacler. Pas de faute, l'arbitre ne dit rien. Un duel gagné, ballon récupéré. Il est bien trouvé. Oh, bonne lecture, intercepté. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être... Il peut frapper. Et il marque. Et ça pourrait bien être le but de la victoire. Il était surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Il est inarrêtable. Gol de Francia, convertido en el minuto 81. Numéro 12. On y est, le compteur est débloqué. Ils sont bien récompensés de leurs efforts. Maintenant, il va falloir tenir ce résultat. Vinicius Junior. Quelle technique! C'est bien fait, ça. Filippo Inzaghi, il tente sa chance. Ça peut être extrêmement dangereux. Colomwani. Oh, voici Nkunku. Ça joue à gauche. Le coup franc pour l'équipe de France. Et il est sanctionné. Carton jaune. River Plate qui compte maintenant deux joueurs avertis. C'est l'heure de procéder à un changement. Hakimi, qui n'a pas l'air content de sortir, mais c'est un peu sa faute aussi. Il a déjà pris un carton. Numéro 3. Le remplacera. Numéro 24. Mbappé. Dommage, c'était la balle du break. Quelle passe. De Paul. Oh, quel geste, la parade de Mike Maignan. Et il dégage. Pavard. Bon, c'est bien, mais attention à ne pas perdre le ballon. Ça peut aller très vite. Se agregarán 3 minutos al tiempo reglamentario. Voici Rabiot. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. La longue passe. Énorme occasion. Il s'est sacrifié pour l'équipe, là. Oui, il n'a pas hésité. Tchouaméni. Hernandez. Et l'arbitre siffle la fin du match. Non, on ne tirera pas aujourd'hui sur la défense malgré cette défaite. Ce sont les attaquants qui ont manqué de conviction et surtout de précision. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Les joueurs avaient l'air particulièrement tendus aujourd'hui, comme s'ils avaient peur de perdre devant leurs supporters. Enfin, soyons francs, ils n'ont pas été très bons dans ce match. Et on est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous et à très bientôt. Tout le plaisir a été pour moi. Señoras y señores, en la pantalla se mostrará la información de cómo salir del estadio.